Bien, après l'essai donc de la carabine ISSC, nous allons passer à l'essai d'un pistolet Walther. Alors c'est un essai, je crois, que beaucoup d'entre vous attendaient. C'est le Walther PPQ, le modèle PPQ. Donc j'enlève le chargeur, bien sûr, comme toujours, je bloque la culasse en position arrière, je vérifie que la chambre est vide. Alors, ce modèle, il est livré donc dans une mallette de transport en polymère compartimenté avec de la mousse, comme d'habitude, comme la plupart des armes modernes. On remarque tout de suite qu'il est équipé d'un canon fileté, du moins dans la version qui m'a été confiée. Et d'ailleurs, on va pouvoir monter un modérateur de son. On nous a confié un modèle de chez Brugger et Tonmet qui comporte un amortisseur permettant, c'est plutôt un amplificateur de recul, permettant le fonctionnement avec des munitions basse vitesse. Il a deux chargeurs. Un outil d'aide au remplissage du chargeur, comme toujours, c'est pas vraiment indispensable, mais bon, ça peut être utile quand même. Et vous voyez que les deux chargeurs sont différents. Il y a un chargeur à fond plat qui fait donc 15 cartouches, calibre 9 mm parabellum, et un chargeur avec un talon proéminent et ergonomique. Ça peut être bien pour des tireurs ayant de très grandes mains, c'est pas mon cas. Qui va faire deux cartouches de plus, donc 17 coups au lieu de 15. Il est livré donc avec ces deux chargeurs et il est livré avec trois d'autres poignées. Ils sont marqués, voilà, celui-là est marqué large, small, donc j'ai le dos médium monté d'origine sur l'arme. Le small va être un petit peu moins proéminent et le large va venir aussi combler un petit peu en partie le busque. Alors ce modèle, il a donc des rainurages de préhension à l'avant et à l'arrière. Bon, il n'y a rien de très spécial. Il a une pédale de sécurité copiée directement sur celle du Glock. Il est donc en double action, ça fonctionne exactement, ça fonctionne comme le Glock, c'est même plutôt en fait un simple action. Je pense que le percuteur est complètement armé au moment où on a chambré une cartouche. Donc on va essayer ce modèle. Alors il y a un mode d'emploi qui est très bien fait en plusieurs langues, dans pas mal de langues, avec des illustrations, de la couleur. Bon, ça a l'air d'être particulièrement bien fait. Il y a un avertissement que j'ai trouvé un petit peu intéressant et amusant. Ils disent « Les munitions à pointe creuse ou molle ne sont pas adaptées au tir sous l'eau. Il est recommandé d'utiliser des munitions étanches à l'huile avec balles blindées. » Qui aurait l'idée d'aller tirer sous l'eau? Ben, si, il y en a certainement qui ont eu cette idée. Alors c'est pour ça qu'ils prennent beaucoup de précautions. Ils disent « Tirer sous l'eau présente des dangers considérables pour le tireur. Seules des personnes formées portant un équipement de protection adapté contre les effets possibles des ondes de pression d'une détonation sous-marine doivent tirer sous l'eau. » Il y a certainement des personnes qui se sont pris pour des Navy Seals et qui ont voulu essayer leur arme sous l'eau. Ça me fait toujours penser à celui qui, en fait, avait abandonné son poste de conduite. Il avait lâché le volant dans un camping-car et il était parti derrière se préparer un café alors que le camping-car roulait. Il avait eu, bien sûr, un accident. Les Américains sont obligés de prendre énormément de précautions parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent le moyen de faire des choses auxquelles on ne penserait pas forcément. Bon, tirer sous l'eau, ça peut être amusant, mais ce n'est pas vraiment très très utile. En tout cas, nous, on ne va pas le faire. Je vais déjà faire un premier test. Malheureusement, Jean n'est pas là aujourd'hui pour me seconder, mais j'espère bien qu'il sera là le week-end prochain et qu'il pourra essayer cette arme. Moi, je vais faire des tests de précision sur appui,
lui fera des tests dynamiques et il nous dira un petit peu ce qu'il pense de ce pistolet. Eh bien, passons à la suite. Bon, dans un premier temps, j'ai prévu un certain nombre de munitions du commerce pour essayer donc ce pistolet. On va prendre le chargeur de 15 coups à talon plat. On va commencer par exemple par les fiocchi 115 grains. Il faut bien commencer par quelque chose. Donc je vais charger à 10 coups. J'ai mis donc la cible à 25 mètres. Je vais mettre le chrono en marche. Alors, je ne l'ai pas dit, mais il y a des points blancs qui sont en fait un petit peu verdâtres et qui sont fluorescents ou phosphorescents. Par contre, il y a une hausse quand même qui est très, très mince parce qu'elle est très mince dans sa partie haute. Et un cran de mire très ouvert. Donc là encore, c'est des éléments de visée qui sont faits pour le tir rapide et pas du tout pour le tir de précision. Mais bon, on va quand même s'en accommoder. Alors je vais prendre la visée au bas du visuel en espérant que la prise de visée corresponde à quelques centimètres au-dessus du point visé. Ce que ça donne, le recul est assez brutal quand même, c'est pourtant des 115 grains, c'est pas des balles lourdes. Et puis là, de temps en temps, on prend une douille dans la figure, mais ça c'est surtout quand on tire sur appui. C'est beaucoup plus rare quand on tire en position debout, en weaver stance. Bon, on va voir ce que donne ce premier groupement. Alors là, je viens de tirer donc ces munitions Fiocchi 115 grains, ce premier groupement. Au niveau des résultats, donc le plus bas, c'est 343 mètres secondes, le plus haut 357, la vitesse moyenne 350 et l'écart type donc 5 mètres secondes.
Et nous allons voir le groupement donc à 25 mètres. Je suis un petit peu haut. Heureusement que j'ai pris le bas visuel. Mais bon, c'est pas mal parce que en fait j'ai pris ma visée ici et je suis là. Le groupement n'a pas l'air mauvais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, ces trous-là, c'est pas les balles, bien sûr. Donc le groupement est ici, ce qui est un petit, quand même nettement plus haut que le point visé, mais moi je trouve ça très bien, puis c'est parfait pour tirer au bas visuel. Un petit peu à droite, bon, ça faudra voir avec d'autres munitions, mais ça pourrait être facilement corrigé en déplaçant un petit peu les éléments de visée. Donc voilà ce premier groupement, on va essayer d'autres munitions et voir ce que ça donne, bien sûr.